Et bonjour, c'est Gray Fox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un match draft d'entraînement. Ok, on est map 5. On est en A. Je pense qu'on va ban le SRAM au hasard. Non, en vrai, en A, je pense qu'il ne faut pas que je banne le SRAM. Je pense contre ça, je dois ban. Vas-y, bon, j'ai plus le temps. On va go ban SRAM. En fait, je me rends compte que je préfère être en B pour les drafts. Ça banne Sadie, ok, ça m'a vu faire un match impressionnant en Sadie, je peux comprendre. Bon, en vrai, j'aurais limite. Ouais. J'aurais limite pu ban Ennie. Je pense que je vais pick Rube. Faut que je m'entraîne sur la classe. Encore une fois, là, je suis en entraînement, je pique plutôt les classes que je sais pas trop jouer, donc bon. À mes risques et périls, mais. L'idée c'est de progresser un petit peu et d'élargir le pool de persos que je peux jouer proprement. Ok, ça prend l'Ossa en face. Ça me plaît, ça me plaît. Alors, le truc c'est que là il. J'ai beaucoup de classes à lui bannir. Ok, ça banne Ennie. Je pense que je vais lui ban le Steam. Ou peut-être plutôt le Faker. Ça me paraît correct. Ouah, à chaque fois que je fais des drafts, j'ai l'impression que ça ressemble à rien du tout. C'est terrible. Qu'est-ce qui synergise avec l'Ossa? En vrai, le Zobal ça va bien avec. Hein. Je pense que là je dois lui ban le Xel. Après, Xel sur cette map. En vrai, ça va avec Xel. Ouais. J'aurais peut-être dû lui ban Ekka. Après, ça fait des situations auxquelles les adversaires sont pas trop préparés, donc à la limite, c'est pas mal. Ça a au moins ça comme avantage, quoi. Le truc, c'est que là, s'il prend pas d'érosion, il va galérer. Il prend les cas. Voilà, je pense à écrire tous les jours. Ok. En vrai, je suis pas trop mal, moi. Je suis pas trop trop mal. Je vais ban Upper. J'ai plusieurs options pour le dernier pic, là. Ban Panda. Bah, je pique The Ball. Hein. The Ball pour moi c'est extrêmement fort. Pareil, c'est une classe que je maîtrise pas bien. C'est bien là, je vais avoir l'occasion de m'entraîner sur Roublard et The Ball. Le Sacri ça devrait aller. Donc je pourrais me concentrer sur les classes là pendant le match. Ça devrait être assez intéressant. Et en face on a de l'Ossa assez strong, un Érodeur, l'Eka Flip, qui est... ça fait déjà un bon duo. Et là il peut compléter peut-être avec un Yup, un Ennu. Les duos sur cette map n'auraient pas trop de sens. Lugie, ok. Alors sur le roublard, on est parti sur full Illisael, double Vukin pour avoir pas mal de retraits, puis on a comblé avec des items sympathiques. Le Sacri, j'ai fait mon fameux mode, le mode R, J.H. Crocobur, full Illisael, double item possédé, baleine à bottes. Bref, le stuff que je suis le seul joueur de Dofus à jouer, je me régale. Et le Zobal, il est sur un feu double guerre assez classique avec un marteau possédé. Et un bouclier d'Illisael, voilà, vraiment le Zobal feu, c'est un first try. Je sais pas trop dans quoi je m'engage, on va voir ce que ça vaut. Et c'est parti. Bon. Alors, Luginac, bien blindé, pas trop de res O ni de res R. Il a voulu shotgun le sacritaire, je pense. L'Ossa en Phalanster, beaucoup de recrit. Oh, mais c'est quoi ces modes, on dirait moi.
En vrai, il a pas peur. Ok, on dirait moi. Let's go. Bon. Ça te donne envie d'y aller au taquet sur Logis. On va venir mettre gentiment un petit tour comme ça. Donc si j'ai bien compris, c'est tac et tac. Et là je prends le boost PA. Ok, je vais me faire une rémission. Je vais venir me caler ici avec une maîtrise. Pour que le The Ball puisse sauter. Ok, là il vient me chercher. J'ai fait exprès de m'exposer. C'était le move 200 de QI de la soirée. Vas-y, repart. Là, il peut reprendre un petit. Voilà. Un coussinet ici. Bah, je peux lâcher un truc comme ça. Tac. Hop, il prend Ebène Crocobure. L'épée qui vient taper les deux, qui prend. Qui déloque éventuellement des Vulbis et des Ocres. Et là, ce qui est bien, c'est que du coup, ils ont calé l'héros sur le roublard, mais en fait, il y a Logis qui est déjà dans leur camp. Logis qui est en JH Crocobure, hein, donc il a peur de rien. Et le Sacri, pardon. Donc là, le Sacri va mettre une grosse, grosse pression. Le Zobal, il va venir enchaîner. Alors la question là, il faut que je me concentre, c'est comment je fais un tour propre sur le Zobal. Il va me falloir. Ok, je pense que j'ai un plan. Ok, le Roub il se prend un peu de pression, d'accord. Ok. Mais encore. Ok, le Ginac. Je gagne combien avec ça? Je gagne 2. Je peux gagner 4. 2, 3, 4. En vrai, je peux choper Lugil, là. Là, il me faut le pleutre, hein. Là, je crois que c'est ça. Ça. J'ai envie de mettre le masque sur mon sacré aussi, mais je pourrais pas. Ils n'ont pas le temps. Et là, Logis est déjà un peu sous pression. Je suis habitué à jouer en The Ball en fait, j'ai l'habitude de jouer avec la panneau de classe et du coup j'ai un de PO sur les masques. Quelqu'un, j'aurais pu le mettre là et prendre avec le sacré, ça aurait été pas mal, mais. Et là, du coup, l'idée c'est que le roublard il a pris de la pression, mais en vrai, on n'est pas si mal. Alors par contre, les cas va me rush. Ok, c'est pas mal. Et il peut pas poser l'ébène. Bon bah ça régale ça. Ça c'est pas genre... Aimantation. Au hasard. Hein. Aimantation. Tromblon. Bombe. Étoupie. Bombe. Zereski. Ok, c'est pas exactement ce que je voulais faire. Je crois que je me suis pas remis un des boosts. Le tour était pas 100% full opti, mais pour mon troisième combat de roublard de ma vie, ça passe à peu près. La bonne étoile qui part sur Logis. Bon, Logis, là du coup j'ai dérodé les deux. Là on va se faire plaisir là. Ah, j'ai mis qu'un tromblon, my bad, je voulais en mettre deux. Bon. Alors ça c'est pas ouf par contre. Parce que là, l'idée c'est de prendre des gigazones maintenant avec le sacri et de faire de l'érosion en zone. Ok, l'odorat c'est pas trop mal joué. Ok.
La question c'est, il finit où avec le chaton? Ah, c'est relou qu'il y ait un tremblement qui ne soit pas passé sur le J, j'ai mal calculé mon truc. Bon, moi je vais y aller comme ça. Je suis taclé encore là. Je vais sacrifier le J, le roube, je pense. Ok, j'ai un tour parfait là, c'est ça, tac. Ouais, ça prend du point de boubou en face. C'est catastrophique. Okay, on va venir tacler le chaton. Catastrophique que j'ai mis qu'un seul tromblon dans le tour. J'avais la gigazone. Bon, comment on fait un tour correct avec le Zobal? J'ai envie d'y aller sur les deux, hein. L'Eka, il a 15, 19% en feu là. Ouais, il a pas peur. Hein. Faudrait que je puisse nettoyer un peu les invoques aussi. Je crois que le relais, il est sur le mélanique. Hein. Ça, c'est cumulable une fois. Ok. Ok, ça vient full soin logis. Ça me débuff mon. Ça me débuff mon sacrifice sur le robe. J'ai du mal à savoir si je bourre le J ou les K en fait. Après, peut-être que genre l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Je pense que ça va être comme ça, pivot. Ça c'est 4, plastron c'est 5. Ok, je peux faire comme ça. Plastron. Et là, je pense que je vais lâcher une giga leçon de Grunob. Oh, il y avait le bouffe tout derrière. Oui, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Ça met un malus de soins, comme ils sont tous en train de se soigner. La giga leçon de Grunob, 4 cibles, ça régale. On a presque clear du coup le bouffe tout mélanique. Ce qui va enlever le relais. Vertèbre sur le roube. J'ai quoi comme érosion là? Bah, je suis plus du tout héros. Non, je suis plus du tout héros. Hein. Je me suis fait debuff l'héros. J'ai encore le sacrifice. Pendant jusqu'au tour du sacri. Là ça pose pas l'ébène du coup. Gibier. Ok, ça choque un peu, je crois qu'il avait moyen de poser l'ébène en face. Alors, on a le Zobal, on a les K, il faut que je puisse me décaler d'une case. Bon, je vais me faire insulter par les main roublards, mais. J'ai pas la botte là. On va y aller comme ça, on va prendre les zones là. Là c'est trop beau pour pas les prendre. Okay, j'ai mis un râle à mes potes. Je voulais pas, j'ai vu le tour finir, je me suis dit vas-y faut que je le mette. Il y a un petit moins 2 qui est passé sur sa crise de balle. En même temps ils méritaient un peu je pense. Hein. Alors j'ai pas mis d'esquive en disant qu'il y aurait pas de retrait en face, mais j'ai pas compté sur le retrait de mon roublard qui pouvait peut-être proc sur mes persos. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est la prise en main. J'aurais pu faire quoi avec 3 PA, c'est plutôt ça qu'il faut que je me demande. Est-ce que j'aurais pu m'arranger pour caler une risky? En vrai oui, j'aurais pu mettre un trombon de moins. Et venir choper de la risky en zone. Et à 3 PA, j'avais le Ressel, j'avais le Shrapnel, j'avais plein d'options. Ouais. J'aurais pu même mettre Cannibule, peut-être. Hein. Ce qui aurait enlevé des deux crits à l'Eka, ce qui aurait été incroyable. Bon, le tour aurait pu être bien plus propre. C'est pas grave, c'est la prise en main. En vrai. Il faudrait un event distance, là, ce serait pas mal. Je vais y aller comme ça sur le. En vrai, sur l'Eka, je pense. Hein. Je vais lâcher une perfusion quand même. Et là, ça va être afflux. Le chaton, il fait pas trop grand chose là. On va taper la bombe pour se régénérer aussi tant qu'à faire. Eh, mon sacré, j'ai H. Procobure qui fait son job pour l'instant. Ok, le détacle à 23 PA, ça sent le misclic peut-être, non? Ok. Bon, le Zobal est giga fine, j'ai encore ma grimace, j'ai encore plein de trucs. Je peux faire une fougue hein, à un moment s'il y a besoin. J'ai envie de taper tout le monde avec le Zobal en fait. J'ai pas trop de zone.
Ok, le tofu qui part en dégâts sur le. Le roux prend un peu, mais ça va. J'hésite entre Uji et Ika. Les deux sont set up pour subir. Ça fait un petit retrait de puissance, c'est pas inintéressant. C'est pas sans ligne de vue, genre. Vas-y, on va go comme ça. Ok, j'ai des buffs, c'est pas vraiment ce que je voulais faire. Après, il a quand même pris tarif. Mais je lui ai débuff un tour. Ouais, je lui ai débuff l'héros. Faut que je le remette du coup, dommage. Pas très bien joué. J'ai un peu paniqué sur le tour. C'est compliqué de bien cycler les masques hein, quand on sait pas jouer le Zobal. Là, il persiste à mettre des vertèbres avec son Uji. Je comprends pas trop l'intérêt. Je crois pas que je prenne si cher que ça. Hein. Ouais, ok, je prends un peu de dégâts, mais en vrai, ça passe. Alors attendez, au lieu de parler. Donc on va juste libérer. Va venir comme ça, kaboum. Oh, j'ai réussi à faire le tour complet. Bon, c'était pas full, c'était pas une dinguerie, je pourrais me mettre un tremblon en plus et j'aurais pu tuer les cas en fait. J'ai vu les toupies en fin de tour avec la bombe à côté, je me suis dit faut que je la pète pour récupérer des PA, elle me servira pas à grand chose. J'aurais aussi pu la faire, elle avait un peu de combo, j'aurais aussi pu faire une explosion de bombe. Hein. Ça aurait pu marcher aussi. Bon, le Zobal c'est pas inintéressant, j'ai l'impression quand même d'avoir pas énormément d'outils pour faire des tours efficaces. Enfin là en fait le problème c'est que j'étais. La grosse force du Zobal feu c'est le debuff. Et il s'échéance, ouais. On va faire un truc très simple, ça va être ça, je pense. Je sais plus si j'ai les bennes ou pas. Non, je l'ai pas. Ok, j'étais en train de raconter ma life. Ouais, j'étais en train de dire, je sais plus. Qu'est-ce que je disais? Oui, avec le Zobal, c'est un peu compliqué d'avoir un sort très fort qui débuffe, sachant que je joue un peu à l'érosion avec le Roub à côté. C'est un peu antinomique en fait dans la compo là. Je trouve en fait le Zobal c'est une très très bonne classe pour jouer des compos sans érosion. Bon là j'ai encore beaucoup d'outils défensifs. En face, ils ont été greedy sur les esquives quand même contre du roublard. Bon, moi j'ai un sacré A3 d'esquive PA, mais il n'y a pas de retrait en face, à part nos satyres éventuellement. Bon, ça fait comme moi, je pense, hein, ça teste des modes, c'est le but. J'aurais pu aller chercher le kill EK aussi, hein, mais. Enfin, en vrai, est-ce que je vais pas y aller? Là, je l'ai complètement. Ok, il a pété mon épée. Après, là, le roublard, en vrai, je fais genre, je suis giga safe, mais attention quand même. Hein. Là, j'ai un J13 PH en état proie. En vrai, vas-y, on va tenter le beau jeu. Poser le masque. Ça devrait a priori pas servir à grand-chose, mais bon. Ça peut un peu obliger Luigi à bouffer des PA, là il est obligé de flair. Après moi je suis blindé de PA. Hein. Calcaneus, je sais pas ce qu'il essaie de faire. À chaque fois il se. Ouais. Ah non c'était ok, c'était pour prendre les stacks. Dac dac. Ébène. Ok, je risque de prendre un peu cher, mais ça. Ah oh, ouais! 1200 de poison! Ok, dac. Effectivement, comme ça change un peu tout. On va y aller comme ça, nous. Là, je vais jouer comme un débile, hein, je vais rien savoir.
Je sais que j'ai tabassé la grimace, mais je m'en fous. De toute façon, le sobal est full safe. Non, je suis pas en berserk. J'espère que je passe le kill à la crocobure, mais j'ai un doute. Ah, je suis un troller, j'aurais dû faire ça en début de tour. Je me serais boosté, j'aurais gagné un état de souffrance. Ok, j'ai mal joué là, le sacri. Il fallait que je fasse perfusion, transfusion début de tour. Et là, je passais le kill sur Logi. C'est bien aussi, ça me permet aussi de bien jauger mes dégâts, faut bien les connaître. Je me suis demandé si, malgré les bennes, je passerais le kill à la crocobure même. GG! Ouais, il y a eu beaucoup de misplay en face aussi. Ça me change un peu parce que sur mes drafts d'entraînement précédentes, moi j'étais en train de first strike des classes, en face il y avait des mecs qui jouaient propre, donc je me faisais un peu rouler dessus. Là, ça allait. Bon, le The Ball c'est du first time en The Ball feu, mais. Bon, comme il y a des sorts très forts, même si tu joues pas extrêmement propre, tu fais des trucs quand même quoi. C'est pas des classes où tu passes tour et tu sers à rien. Après, d'accord, il a un ébène sur le fiac lui. Hein. Ok, il a peut-être pas d'ébène en fait. Là, typiquement, qu'est-ce que je peux faire? Je manque quand même d'un gros sort de placement. Ok, je pense que là c'est ça. Ça. Ok, je sais ce que je peux faire. Je peux faire tech. Et là le kill Grunob. Ok, je pense que c'était correct. Et là du coup, j'ai plus de zone kaboom. Alors là, je sais jamais trop comment je me détacle. C'est peut-être la bombarde qui est pas mal. Là, du coup, on vient éroder le sacri, ça booste les pupus, c'est parfait. Je voudrais check un truc si je fais tac-tac. Ouais, c'est vraiment genre giga gratuit en fait. Bon, j'ai un peu râlé mes potes, mais il méritait, hein, vous inquiétez pas. Et donc là, on a l'ivoire dans 3 attaques. Je vais l'exterminer. Hein. Ah, j'aurais dû prendre la charge ébène hein, avant. J'ai mal géré les ébènes sur le combat, je sais pas ce que j'ai foutu. Genre, je suis en leçon de Grenoble là-dessus. Ouais, j'ai fait n'importe quoi avec mes ébènes. Là, si je mettais l'ébène propre. Non, ça passait pas le kill en vrai. Ok. Bon, le Roubo, je vais pas dire qu'on commence à le prendre en main, mais ça rentre petit à petit. Faut que je pense à faire des shrapnels dans les tours, quand ça rentre bien dans le tour, pour caler un peu de retrait. Est-ce qu'on peut éroder des alliés? Oui, on peut mettre de l'héros sur les alliés. Ouais. Mais avec Sacri, ça peut être un cheat code. Hein. Tu te fous les rois ton Sacri, tu te fais une punition, tu vas one-shot un mec. Hein. C'est peut-être le nouveau gameplay. Je suis déjà en 2023 dans ma tête, moi, c'est pour ça. Alors c'est bizarre, l'Ossa, il a attendu qu'il soit le seul en vie à 500 PV pour commencer à faire des dingueries avec ses tofu, là. Après, en vrai, je prends des dégâts. Hein. J'ai un peu sous-estimé pendant tout le match, mais le roublard, il se fait quand même bien descendre. Mais. Ou peut-être bot, bah c'est la question que je me pose. Ouais. Aura-t-il l'honneur de kill le Roub? Je ne crois même pas. En plus j'ai encore tous les plastrons et tout, j'ai mis le truc hein, mais. Ah je voulais mettre des coups de possédé pour flex. GG. Bon, plutôt cool le Zobal feu, ça fait le job sans être très dur à jouer. Le roublard haut, encore des progrès à faire, mais c'était cool.